Ce qu'il y a là-bas. Alors, je vais tenter de vous donner quelques informations sur l'histoire du lieu. Je crois que les projets de réouverture de 2016, 2018 et 2019 ont tous été abandonnés. On sait que l'histoire du lieu a commencé vers 470. Sainte Geneviève fit apparaître une source d'eau. Et les plus anciennes pierres datent, elles, de 1150, il y a presque 900 ans. Vraiment mystique ces statues. Salut toi. Alors ça, on dirait clairement une alarme équipée d'un détecteur d'ouverture de porte, et visiblement off. Et tiens, là, je crois que j'ai enfin trouvé une première vraie alarme. Sortie, allumée. Bon bah on tente. Non. Vraiment flippant ce bâti aussi.
Hop, une deuxième. On va pas aller vers ici du coup. Toi. Là, on change totalement d'ambiance. Il y a ces lumières rouges. Plein de cadavres. Tellement rassurant. Ça, c'est la partie finale, les gars. Bon, du coup, ce que je vous explique la situation, j'étais pratiquement au niveau de la chapelle. Je pense qu'il me restait. Et bref, donc j'ai entendu quelqu'un marcher, j'entendais pas. Et en fait,
En se rapprochant, je pensais que c'était d'autres explorateurs. J'ai voulu aller à la rencontre et en fait j'ai entendu l'un des gars qui a dit justement dû oublier d'allumer le système d'alarme. Je pense que c'était le gars. Le truc c'est que j'étais juste à côté d'eux, donc j'ai laissé retomber une porte et je pense qu'ils m'ont entendu. Du coup j'ai forcément tracé. Je pouvais pas forcément me cacher parce que il y avait que des pièces. Désolé s'il y a du vent et que vous m'entendez mal, j'ai pas eu le temps de mettre le micro. Il y avait que des pièces avec des grandes pièces somptueuses comme vous venez juste de voir. On peut pas se cacher du tout. Bon, du coup, c'est raté pour la cathédrale.